Établi au pied des Alpes vaudoises, à Yvorne, cet ancien skieur de 52 ans aura évolué durant 10 saisons, entre 1988 et 1998, au plus haut niveau. Descendeur d'un autre temps, lorsqu'un fromage suisse bien connu s'invitait sur sa combinaison, il a vécu, par deux fois, les joies du podium en Coupe du Monde. Troisième en 1992 à Kitzbühel et deuxième, trois ans plus tard, à Val Gardena, le Chablaisien a aussi participé aux JO d'Albertville et de Lillehammer. Un autre temps, donc, et un matériel bien différent que Xavier Gigandet s'est amusé à ressortir de la cave. C'est les derniers de 98, hein. C'était le début du carving, on va dire. Un jour, même à Kitzbühel, je me suis retrouvé avec deux paires de skis à une minute du départ. Et en fait, on écoutait les temps intermédiaires. Il y avait d'autres skieurs de la même marque, avec des fartages un peu identiques. Et puis, on attendait de savoir les temps sur le plat pour décider quel ski on prenait, crocher les skis et partir. Question très simple, qu'est-ce que vous devenez ? Alors, j'avais la chance déjà d'avoir fait un apprentissage. J'ai pris comme un temps de, pas de réflexion, mais de pause. Après toutes ces années à courir à travers le monde. Puis après, j'ai repris mon travail, là, qui est d'origine mécanicien à machine agricole. Et puis, trois ans après, mon papa partait à la retraite, on a repris avec moi. Mon frère, on a créé la société pour s'occuper de cet atelier qui est plus maintenant basé sur le matériel viticole et vinicole. De manière plus générale, le sport dans votre vie, quelle place il occupe ? Alors le ski maintenant, je fais vraiment pour le plaisir, quand il y a des bonnes conditions. Je ne suis pas un ravagé à aller tous les jours de congé, tout le jour sur les skis. J'essaye de me maintenir un petit peu en forme en faisant différents sports pour moi ou comme ça, pour essayer de me dépenser. Il faudrait faire un peu plus, mais voilà. La motivation est plus difficile. Le ski, à quel moment ça intervient dans votre vie ? Alors ça a commencé très jeune. Mis les premiers skis à une année et demie. C'était à Luan, juste en dessus de Corberier, Yvorne. Donc mon papa avait construit avec des copains un téléski. Et puis du coup, j'étais tous les week-ends à peu près dans la neige. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces épreuves de vitesse, notamment la descente ? Cette sensation de vitesse, l'adrénaline. Ouais, l'adrénaline, et puis surtout aller à la limite, quoi. Surtout qu'avant, c'était des pistes un petit peu différentes, où c'est pas comme maintenant avec le carving, où on essaye d'accélérer dans chaque courbe, ça tombe beaucoup. Avant, c'était un peu, quand on faisait un virage, on essayait de freiner le moins, on va dire. Donc voilà, il fallait trouver un juste milieu. Cette limite, cet équilibre qu'il s'agit de trouver. En Coupe du Monde, vous le trouvez presque à la perfection en 1992 avec votre premier podium en Coupe du Monde, une troisième place. La Kitzbühel, c'est une piste que j'adore, que j'adorais plus que maintenant, mais comme elle était avant, c'était vraiment la piste que je préférais. Je pouvais en gros skier comme je voulais, ça passait quand même relativement bien. J'ai fait troisième le vendredi et quatrième le samedi, donc c'était... Quand ça va comme ça, on se pose même plus trop de questions. Le fait de ne jamais avoir gagné en Coupe du Monde, quel regard vous portez là-dessus sur cet aspect très précis ? C'est la vie, je veux dire. Après, j'ai été deux, trois fois très près. Alors voilà, ça se joue souvent à peu de choses. Il n'y a que 10 courses par année et ça passe extrêmement vite. Donc on en fait une, tac, même si on est 4-5e, on est content, mais voilà, il manque toujours un petit peu. Et la suivante vient une semaine après, il y a peut-être autre chose qui coince. Et j'avais pas de marge. Et d'un autre côté, voilà, j'ai fait quand même une carrière correcte. Et puis, j'ai pris mon pied pendant bien des années en faisant ce que j'aimais.